Hey Matelot, ici Defroy, et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur comment réaliser une maison moderne sur Minecraft qui est différente de d'habitude, dans le sens où ici ce sont les murs qui sont blancs et le reste de la maison qui est en gris, alors que d'habitude c'est l'inverse, hein, vous voyez, ce sont les murs qui sont gris et les toits et les planchers qui sont blancs. Là c'est l'inverse, donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du coup de cette maison là dans les commentaires de la vidéo. Je vous fais un petit peu le tour pour vous montrer, vous voyez, il y a aussi un décalage, vous voyez, entre un étage à l'autre, ce qui nous permet d'avoir une espèce de terrasse couverte, comme tu peux le voir. Voilà, avec une piscine par devant, comme d'habitude, parce qu'on aime les piscines, bien sûr. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus aussi à la vidéo si vous aimez la maison, si vous avez envie d'en voir d'autres. En parlant d'autres maisons d'ailleurs, on fait plein de maisons en tutoriel sur cette chaîne YouTube. Vous voyez toutes les maisons qu'on a ici, et elles ont été faites en tuto sur la chaîne, sauf celle-ci, peut-être, je crois que j'avais pas voulu la faire en tuto, je sais plus pourquoi. Voilà, n'hésitez pas à me dire si cette maison-là, vous voulez la voir en tuto aussi. Ouais, je l'avais pas fait. Bah, dites-moi ce que vous en pensez et si vous voulez la voir en tuto. Bref, on se retrouve tout de suite du coup pour l'explication comment réaliser cette maison-ci sur Minecraft. Ok, donc on va d'abord, dans un premier temps, donner tous les blocs dont vous allez avoir besoin pour réaliser cette maison-là. Parce que quand même, c'est plus pratique, voilà, une fois qu'on a tous les blocs d'avance. Je les ai mis ici, et hop! Hop, donc du coup, une fois que vous avez tous ces blocs là réunis, on va pouvoir commencer la construction de la maison. Hop, donc je vais vous donner déjà la base. Ici, ce que vous voyez au niveau du sol magnifiquement, bon magnifique, c'est bon, ça reste des blocs, ça va être l'emplacement des murs, ok. Donc là, ce seront des portes, hein, les accès des fenêtres essentiellement, ici aussi des accès. Donc voilà comment va se situer la maison au départ. Je vais vous donner les plans pour pouvoir réaliser ça tout de suite. Et une fois qu'on a ça, on va pouvoir monter les murs à 3 blocs de hauteur. Ok, donc on va utiliser de la quartz lisse, d'accord? Et on va monter ça à 3 blocs de hauteur, ok, comme ça. On fera les sols après, hein. Pour l'instant on laisse en herbe parce que, voilà, chaque chose en son temps. Hop, hop, voilà, on monte tout ça à 3 blocs de hauteur, hein, sur toutes les parties du bâtiment. Hop, hop. Voilà, donc on a monté tout ça à 3 blocs de hauteur. Maintenant je vais vous donner la dimension pour pouvoir réaliser le premier étage. Ok, j'ai posé les contours du premier étage. Donc du coup, pour pouvoir poser vous-même ces contours là, il va falloir, hop, prendre un point de repère, évidemment. Donc ce que je vous invite, c'est vous prendre comme repère ce bloc là, ok, et de commencer. Je vais vous donner tous les plans en fait, hein, pour réaliser ce premier étage. Et du coup, pour avoir un point de repère, vous prenez ce bloc là, c'est à dire que vous partez de cet angle ici, d'accord, vous allez un bloc sur le côté, vous allez un deux blocs ici sur le côté, et à partir de 1 2 3 et 4e bloc au dessus, vous posez notre premier bloc ici pour notre étage. Une fois qu'on a ça, du coup, je vais vous donner toutes les dimensions pour réaliser cet étage là. Voilà, une fois qu'on a ça, ce que l'on va faire en fait, si vous avez bien remarqué sur notre maison de base, eh bien on a en réalité des planchers, hein, des planchers de séparation entre les étages qui sont de 2 blocs de hauteur. Vous voyez, à chaque fois ce sont 2 blocs. Pour voir les différenciations entre les étages. Donc du coup on va faire ça ici aussi. Donc on va remplir d'abord toute notre surface ici avec du béton gris, d'accord. Hop. Et une fois qu'on a mis notre première couche, eh bien on rajoute une autre, tout simplement. On remet du béton, pareil, sur 2 blocs de hauteur, sur toute la surface. On remet une deuxième surface en fait.
Et hop, voilà, donc ça nous fait notre deuxième couche. Maintenant, on va rajouter le deuxième étage directement. Hop, j'ai mis les contours du deuxième étage. Alors, pour que vous puissiez reprendre et refaire vous ce deuxième étage, je vais vous donner les dimensions. Et il va vous falloir, hop, décaler votre premier étage du deuxième ici. Donc, vous prenez votre bloc ici, votre bloc du bout. Vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 blocs dans ce sens-là. Et vous allez vers 1, 2, 3, 4e bloc vers le haut. Ok, et comme ça vous pouvez poser ce bloc là, et à partir de ce bloc là je vais vous donner tout le reste des dimensions pour pouvoir faire tout le reste de l'étage. Hop, et donc comme on avait fait pour le premier étage, on va déjà remplir complètement la surface ici, puis après on va la doubler. Allez hop, on va remplir la surface. Hop, voilà, première couche. Maintenant on en met une deuxième. Hop là. Youp, c'était exactement ce que je voulais faire. Voilà, donc j'ai mis la deuxième couche pour le deuxième étage. Ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va continuer finir la grande structure en fait de la maison. On va aller tout au bout ici, là, vous voyez. Ok, et on va venir mettre un mur de deux blocs de profondeur, d'épaisseur en fait, sur toute la surface ici. Ok, comme ça. Et ce sur 5 blocs de hauteur. Donc 1, 2, 3. 4, 5, ok, et on va mettre tout le mur là, à 5 blocs de haut. Hop, hop, voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va rajouter un toit à la maison, et on va venir, hop, compter à partir d'ici, par exemple, hein, ici, voilà, on va mettre sur 2 blocs de hauteur à chaque fois, on va compter 30 blocs, 30 blocs à partir du mur qu'on a mis ici, donc celui-là, c'est notre premier bloc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hop, donc là, ça fait 30 blocs, de longueur. Ce que l'on va faire du coup, c'est rajouter toute une surface à ce niveau là. On va aller, hop, on va compter comme ça, combien de blocs on va mettre dans ce sens là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 blocs, ok, pour être aligné avec les parties d'en dessous en fait, hein. Puis après, hop, on va dans ce sens là, on revient pour finir la forme du toit. Hop, voilà. Et maintenant, vous l'avez compris, ça va être comme ce qu'on a fait en dessous. On va remplir la surface et on va la doubler. Parce que, voilà, pourquoi faire simple qu'on peut faire compliqué. Cette phrase n'avait aucun sens, mais faites, voilà, c'est pas grave. Faites ça. Et voilà ce que ça donne au niveau du toit. Alors, j'en ai profité aussi pour rajouter les emplacements pour les murs, comme vous le voyez au niveau des deuxième et troisième étages. Enfin, normalement, c'est premier et deuxième, mais voilà, bref, j'appelle ça comme ça. Alors, pour faire les murs au niveau du premier étage, on va venir sur le coin ici, parce que c'est là où c'est le plus facile à repérer. On va venir mettre un bloc en diagonale ici, ok. Et on va venir mettre une ligne de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 blocs de quartz lisse, ici comme ça, d'accord. Ici sur le côté, on en met 5, si je dis pas de bêtises, 2, 3, 4, 5, ok comme ça. Donc pareil de l'autre côté. Hein. Ici on fait un trou de 4. Ici on fait une ligne de 6 blocs, ok, en diagonale. Ici on va mettre une très grande fenêtre de 7 blocs, ok. Et on en remet 2 derrière. Hop, de ce côté-là on va mettre 1, 2, 3, 4, 5 blocs dans ce sens-là. On va remettre une ouverture pour une porte de 2 blocs, et puis re-derrière, et évidemment, voilà, ces murs de ce côté-là sont les mêmes de ce côté ici, d'accord. Alors, pour l'autre partie du coup maintenant de la maison, on va venir prendre ce coin-là, poser le premier bloc ici, ok, et faire une ligne à partir de là jusque là-bas de 10 blocs de quartz lisse. Hop. On se remet devant ici, pareil, on met une ligne à partir de là jusqu'à là de 5 blocs, pouf. Ici, on met un trou de 4 blocs de large. Ici, on en met un de 5 blocs de long, de quartz lisse. Ici, re 4 blocs de trou, 3 blocs de quartz. Hop, ici, 4 blocs, donc de là jusque là, de quartz lisse. 2 de trous pour les portes, voilà, donc 3 blocs. Ici, et après le reste de ce côté-là, c'est exactement la même chose que ce qu'on a mis juste à côté. Ok, donc ça c'est pour le deuxième étage. Maintenant pour le troisième étage, je vais vous les donner directement. Oui, je suis généreux, je suis comme ça.
Voilà. On va prendre le bord. Le bord du coin ici, là, vous voyez. On va laisser un bloc de vitre parce que c'est stylé. Et puis après, on va mettre 7 blocs de quartz, ok. Puis après, on va mettre 4 blocs de rien du tout. Puis après, on remet 6 blocs de quartz en ligne. Et après, on remet une fenêtre de 4 blocs. Puis après, on remet 4 blocs de quartz. Hop. Ici, on en met 5 comme ça en ligne droite. Hein. Et puis après, on laisse un trou de 2 blocs pour la porte. Et on refait la même chose ici que ce qu'on avait fait là-bas. Voilà. Une fois que vous avez les emplacements pour les murs, évidemment, ce que l'on va faire sur les deux étages, hein, hop, c'est qu'on va mettre les murs jusqu'au plafond. On va construire les murs comme ça. Ok. Hop. Dites-moi si vous êtes ok dans les commentaires. Enfin, je sais pas si vous avez tellement le choix. Enfin, si, en fait, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Il n'y a pas d'obligation ni de restriction. Bref, je mets les murs et on se retrouve juste après pour la continuité. Hop. Donc, voilà l'idée. Alors, pour pouvoir continuer notre affaire, il va falloir quand même faire le sol, vous voyez, ici. Parce que, bon, ben... Enfin, il faut faire le sol, quoi. Donc, on va enlever le sol et on va mettre du quartz à la place. Du quartz... Hop. Du quartz comme les murs, tout simplement. Hop, voilà. Parce que j'avais essayé, en fait, d'utiliser le béton gris pour faire aussi les sols. Ça marche beaucoup moins bien. Visuellement, ça donne pas quelque chose de terrible, en fait, malheureusement. Ça aurait été bien, parce que du coup, on aurait eu du béton, 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 béton. Mais bon, bah, tant pis. Bref, du coup, ici, hop, là-bas, ici. Et pareil avec l'autre partie là-bas, on va mettre du quartz au niveau du sol. Allez, on fait ça. Hop, voilà. Donc, on a mis... Le sol, ça c'est déjà pas mal. On a mis le sol dans la maison, mais on n'a pas mis le sol au niveau de l'extérieur de la maison. Ce que l'on va faire, et que je trouve plutôt sympa honnêtement, c'est d'utiliser du gravier en fait, et on va mettre un espèce de grand carré en gravier, comme ça, qui va passer en fait dans les trous. Là vous voyez, on a des espèces de trous, des espèces de préaux de la maison, ok, sur lesquels on peut passer, ce qui est plutôt bien. Et on va en fait mettre du gravier là-dedans, pour pouvoir en fait faire une espèce de grand carré. Je vais vous montrer. Hop. Vous voyez, donc c'est ça que j'appelle le carré hein, en gravier. Tac, 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 tac. Et qui passe vraiment sous la maison. Moi j'aime vraiment bien ce petit truc là. Vous voyez. Et après ça donne accès à la terrasse et tout. Allez hop. Donc, on va venir prendre toute la largeur ici de notre préau. Je sais pas comment on pourrait appeler ça. Une espèce de tunnel, notre préau. Hop, on va prendre toute la largeur ici, et on va venir creuser mettre notre gravier dans le sol, hop, jusqu'à s'aligner avec le bord de la maison ici, là, vous voyez, youp, donc on va mettre du gravier jusque là, pour être aligné avec cette partie-là de la maison, ok. Hop, on creuse par là-bas, et on va s'arrêter lorsqu'on sera aligné avec l'autre partie de la maison. Vous voyez, ici, là, cette partie-là, on va s'aligner ici, donc jusque là. Hop, est-ce qu'on est aligné? On peut mettre... Voilà, là on est bien aligné, vous voyez, avec l'autre côté là-bas. Donc, on va par là. Et l'idée, c'est que là, on va juste laisser un bloc d'espace entre le mur ici et notre partie en gravier, que l'on va laisser en herbe, ok, de ce côté-là. Et donc, on va prolonger ça jusqu'à ce que ça se rejoigne ici. D'accord? On va de l'autre côté là-bas et on va faire en sorte de prolonger... notre mur ici, enfin notre partie en gravier comme ça, vous voyez, qui longe le mur ici jusqu'à se rejoindre. Ok, donc ça nous fait les bordures extérieures de notre partie en gravier. Ce que l'on va faire maintenant, c'est que l'on va, hop, continuer à creuser comme ça. On va laisser encore une fois un bloc de bordure entre le mur ici et la partie en gravier. Et après on va jusque là-bas. Hop. Alors, l'idée, c'est que, en fait, notre route en gravier, elle va faire 7 blocs de large, donc sur cette zone-là. Hein. Donc, on en aura notre premier bloc ici, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok. On creuse comme ça, et on se rejoint ici, ça nous donne notre zone en gravier. Notre zone en gravier. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pile poil, hop. On creuse dans ce sens-là. Youp, on rejoint ici. Ok, et vous voyez que là, on a délimité notre zone tout ici,
qui sera en gravier. Ok, donc il nous suffit plus qu'à enlever la partie en herbe et mettre du gravier à la place. Yep, voilà. Donc toute la zone en gravier ici, on l'a mis en gravier. Et on va pouvoir maintenant mettre les escaliers qui vont nous permettre d'accéder aux différents étages. Voilà, donc on va commencer par ce bout ici, là, vous voyez. On va compter 1, 2, 3 blocs. Et on va mettre un escalier en quartz du coup ici. Et on va le mettre sur 4 blocs de large, d'accord. Puis après, on va se mettre à l'envers pour en mettre à l'envers. Puis à nouveau à l'endroit ici, comme ça. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que ça atteigne le sol. Hop. 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 Et comme par magie, voyez-vous, on arrive pile poil sur le devant de notre bloc, sur notre route en gravier. Est-ce que ça s'est calculé à l'avance? Oh, on ne saura jamais. Le génie. Bref, on va mettre un autre escalier ici, voyez-vous. Alors c'est vrai que c'est bien parce que les escaliers comme ça, ça donne des escaliers en blanc qui tranchent là aussi complètement avec la couleur de du plancher. Ça c'est vachement bien. Donc pareil, on va compter 1, 2, 3 blocs ici pour poser notre premier escalier. On va en mettre 4 sur la longueur, on va en mettre par dessous. Et on va faire exactement pareil hein, comme l'autre juste avant. Hop, 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 hop. Pop 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 hop hop voilà. Une fois qu'on a ça, on va en mettre un troisième escalier pour accéder au deuxième étage ici, d'accord. Donc on va mettre 4 escaliers comme ça, 1, 2, 3, 4 ici, et pareil, on va les faire descendre jusqu'à atteindre le sol. Hop. Hop, 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 hop. Youp. Paf, 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 paf. Ok. Une fois que l'on a ça, eh bien moi je vous propose un petit truc assez intéressant. C'est la première fois que je l'ai fait sur cette maison-là. En fait, cette maison, j'ai fait plusieurs trucs pour la première fois, en fait. voilà, d'utiliser les murs blancs et les toits noirs. Le fait d'avoir un décalage, vous voyez, entre le premier étage ici et le deuxième là, avec un autre préau. Et oui, j'ai fait une troisième chose que j'avais jamais fait avant, c'est de faire un chemin dans un chemin. On va prendre, je vais vous expliquer, on va prendre notre escalier ici. On va mettre de la diorite polie dans le sol à ce niveau-là en carré. On va remettre un carré ici derrière avec un espace de un bloc entre chaque. Ok, on remet sur le côté comme ça, paf paf, on remet sur le côté. Hop, ok, comme ça. On en remet encore un autre. Et vous voyez que là, on est aligné avec notre escalier en face, là-bas. Donc, on va refaire des carrés comme ça jusqu'à arriver jusqu'à l'escalier là-bas. Et en fait, c'est un peu ça le côté sympathique. Hop. Voilà, donc il y a un bloc d'espace entre l'escalier et le chemin. C'est-à-dire que là, vous voyez, vous avez un chemin en diorite dans la route en gravier. Est-ce que c'est pas du génie? Dites-moi dans les commentaires si c'est pas du génie. En vrai, c'est du génie ou c'est pas du génie? Carrément, c'est du génie. C'est normal. faudrait mettre les portes quand même. Les portes et les fenêtres. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les portes. Vous prenez les portes que vous voulez. J'ai vraiment aucune préférence particulière pour une porte en particulier. Et ainsi que de la vitre qu'on va mettre pour avoir des vitres. On va mettre des portes ici. On mettra les vitres après. Une porte là. Hop. J'arrive pas à m'envoler. On va mettre des portes aussi à l'arrière à ce niveau-là. Ok. Paf, paf. On va mettre d'autres portes encore. Ah bah, juste à l'étage du dessus. Ici comme ça. Ici aussi. Ok. Et au-dessus. Paf, paf. Voilà, donc tout le reste, en fait, des trous que vous avez dans les murs, hein, ici, ici, là-bas, 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 même au-dessus des portes, ici, comme ça, on va mettre de la vitre. Voilà, très classique, mais ça, au moins, ça marche très très bien. Youp, youp. Voilà. Là, pareil, vous avez des grandes ouvertures. En fait, on va utiliser ces grandes ouvertures-là pour, en fait, mettre juste des vitres au-dessus, pour vraiment faire comprendre que ce sont des accès. Et puis voilà, on va en faire là aussi, donc un accès ici, hop,
Et tout le reste, me semble-t-il, même cette... ouais, si on fait un accès ici, parce qu'après tout, hein, voilà. Mais sinon, tout le reste va être rempli de vitres. Hop. Donc ici et là-bas, ce seront des fenêtres, hein, donc on va entièrement les remplir. Paf, 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 paf. Hop. Donc ça, c'est bon pour cet étage. Quoique oui. Non, si oui, c'est bon. Ici, pareil. Là, là, là. Et là-bas, de l'autre côté, pareil, ça sera que des vitres. Hop. Donc voilà. Alors oui, petite précision juste, hein, à ce niveau-là, il faut faire un accès aussi, il faut pas mettre de la vitre partout. On va faire un autre accès à ce niveau-là ici, vous voyez, pour rentrer dans la maison. Voilà. Mais sinon, tout le reste, hein, ici, là-bas, là-bas et ici, on va mettre des vitres. Ok. Bon. Une fois qu'on a mis les vitres en place, eh bien, on va pouvoir mettre la piscine en place. Ça aussi, c'est pas mal comme truc, ça, la piscine. Alors, on va prendre voilà, l'écart qu'il y a entre ces deux machins-là, vous voyez. On va se mettre ici, là, sur le côté, et on va mettre notre premier escalier dans le sol. On va mettre une ligne de 9 blocs d'escalier, comme ça, dans le sol. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Paf, 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 ok. Magnifique, incroyable, ah, truc de ouf. Bon, à partir de là, d'accord, dans ce sens-là, hein, on va compter 43 escaliers dans ce sens-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 43, ok. Donc on va rajouter des escaliers sur toute la longueur, hop. Évidemment, vous l'avez compris, ici, on va faire vraiment les bordures de notre maison, enfin de notre piscine plus exactement, hop, voilà. Donc, pareil, hein, sur cette longueur là-bas jusqu'à là-bas, on va faire un espèce de grand carré en piscine. Enfin, c'est un rectangle, encore une fois, mais pour moi, les rectangles, c'est des carrés. Vous le savez. Hop. Toute forme géométrique est un carré. Bon. On ramène des escaliers comme ça. Hop. Donc, une fois qu'on a notre délimitation de piscine, ce que l'on va faire, c'est que l'on va creuser dans le sol ici, à l'intérieur évidemment, jusqu'à 4 blocs de profondeur. Donc, bon, moi je suis sur un monde plat, donc ça me fait un trou, mais voilà. Vous devez enlever sur 4 blocs de profondeur sur toute la surface de la piscine. Hop. Hop. Donc... une fois qu'on a ça, normalement vous n'avez pas de vide en dessous, hein, donc ça c'est normal. une fois qu'on a ça, il faut aussi penser à enlever les blocs qu'il y a en dessous les escaliers, ok? Donc tous ces blocs là, surtout la longueur, les blocs ici aussi bien sûr, hein, on va les enlever aussi. Hop, voilà. Une fois qu'on a ça du coup, on va reprendre les blocs de béton bleu clair. Pouf, pouf, pouf. Et on va venir mettre ces blocs-là en dessous des escaliers sur 2 blocs de profondeur, d'accord? Donc sur toute la surface, ainsi que au niveau du sol, hop, voilà, comme ça sur tout le fond de la piscine. De sorte qu'on ait vraiment les murs et le sol tout en blocs de béton bleu. Et puis bah voilà, allez on fait ça. Hop. Bon, vous voyez, d'un seul coup c'est beaucoup plus propre. Alors, un truc qui est bien avec les piscines, c'est l'eau. On peut dire que l'eau, c'est bien. Je pense, on peut le dire. Donc, on met l'eau dans la piscine. Oh là là, mes commentaires sont une catastrophe. C'est pas grave, on met de l'eau quand même. Ça se remplit. Très bien. On va mettre de l'eau jusque tout en haut, hein, évidemment. Ça a l'air de se remplir. Alors évidemment, il faudra aussi mettre de l'eau sur les escaliers. Voilà, et alors là, souvent le problème qu'on a avec les escaliers, c'est que l'eau se met au-dessus. Donc c'est un petit peu compliqué. Hop. Bon, j'ai un peu galéré avec l'eau, mais au final, ça c'est fait. On va utiliser les blocs de dalles de sapin maintenant pour pouvoir faire les terrasses. Donc on va mettre une terrasse à ce niveau-là, du coup autour de la piscine, du coup en dessous du préau. Donc on va compter un bloc, deux blocs derrière l'escalier, hein, du coup deux blocs. Et au troisième bloc, on met une rangée de dalles comme ça de 6 blocs de long dans ce sens-là. 2, alors 4, 5, 6. Ok. À partir de celui-là,
on va compter 18 blocs dans ce sens-là. Donc 1, 2, 3, 18. Une fois qu'on a 18 dans ce sens-là, on va compter 19 dans ce sens-là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 19. Une fois qu'on est arrivé à celui-là, on va dans ce sens-là jusqu'à 10 blocs au total. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Ok, hop, on refait ça. Et vous voyez donc, toute cette zone-là, on va la mettre en dalle de sapin. Hop, on va faire deux terrasses en tout, hein, au niveau du rez-de-chaussée. Hop, hop. Donc voilà, on a fait notre première terrasse. On va directement faire l'autre terrasse, comme ça, ça sera fait. Donc, on va se mettre ici, là, de ce côté-là. On va venir reprendre la même largeur que notre trou ici. Hop, on va mettre jusque-là, du coup, hein, pour être aligné avec les murs. Et on va venir dans ce sens-là mettre des dalles jusqu'à être aligné avec le reste du toit ici. Là, vous voyez, hein, on est aligné avec le reste. Donc normalement, ça fait 12 blocs de long ici. Et puis voilà, on met des dalles sur le sol comme ça, sur une région comme ça. D'accord ? Youp ! Et on met tout ça en dalles. Hop ! Bon, une fois qu'on a ça, on va pouvoir mettre de l'aménagement sur les terrasses, hein, tout simplement. Donc on va utiliser les escaliers en sandstone pour l'instant. Et on va les mettre genre ici, là, hein, donc à 1, 2, 3 blocs décalés de la piscine. Voilà, une petite rangée. Par exemple, on va utiliser les dalles de sandstone devant, qu'on va incruster dans la terrasse pour faire des transats, des bronzates, comme moi j'aime bien les appeler. Des bronzates. Parlant de bronzate, il nous faut un parasol quand même, ça c'est le minimum. Donc on va mettre un truc ici comme ça. On va utiliser des cobblestone wall sur 3 blocs de hauteur. Et on va utiliser des dalles de bouleau, de bois de bouleau, qu'on va venir mettre sur la longueur ici comme ça. Sur la même longueur qu'il y a des transats, hein, tout simplement. Et on va venir rajouter des trappes en bois, ici, juste au-dessus, sauf ici, au-dessus des machins là, des bronzates. Voilà, donc ça nous fait un parasol complètement déstructuré, qui est pas du tout classique, hein, vous voyez, mais ça reste un parasol quand même. Donc c'est swag, donc on aime bien. Pouf, on va rajouter 2-3 bronzates ici, comme ça, tu vois, parce que j'ai envie. Hop, paf, paf, paf. Voilà, magnifique, incroyable, sublime, oui je sais, c'est normal. Hop, on va faire du coup la deuxième terrasse ici, et là on va utiliser une autre astuce, mais qui est très 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 bien. On va faire une table, mais on va d'abord faire des trous comme ça, et on va mettre des escaliers comme ça, d'accord? Puis après on va se mettre dans l'autre sens, et on va mettre des escaliers encore, mais par-dessus. Et là d'un seul coup, vous voyez, ça nous donne des sièges qui sont très custom, très design. On va laisser 3 blocs d'espace, puis après on va en remettre d'autres sièges dans le même sens, enfin, qui font face, évidemment, aux ceux qu'on vient de mettre ici. Hop, comme ça. De sorte qu'on a des sièges qui se font face comme ça. Oui, je sais, c'est design, c'est magnifique. Et on va rajouter, du coup, une table que l'on va faire en escalier de bois, donc de bois de sapin. Avec d'ailleurs des trappes, pourquoi pas des trappes, j'ai envie des trappes, on va prendre des trappes. Puis après aussi on va prendre des tapis blancs, hop, et on va faire un pilier de table avec des escaliers, pouf, pouf comme ça, la même chose ici, hop, puis des escaliers à l'envers au-dessus, d'accord? Hop, comme ça. Donc là, on a nos deux piliers de table. On va rajouter une dalle entre les deux. Et on va rajouter des trappes comme ça sur les côtés. Pour faire une table vraiment design et tout ça. Vraiment design prout-prout. On va rajouter du coup des tapis. Hop. Et voilà, regardez-moi cette table. N'est-elle pas sublime? N'est-elle pas sublime même tout de la terrasse, en fait, tout simplement. Alors, une fois qu'on a ça, on va quand même rajouter quelques petites fleurs, parce que c'est vrai que ça peut être bien, des fleurs ici, comme ça, par exemple, sur la bordure ici.
Donc, on va prendre les fleurs blanches, par exemple. Hop, les lilies. Lily of the Valley, donc, alors, en français, je sais pas du tout ce que ça veut dire. Voilà, on en met deux, elles se passaient de un bloc à chaque fois, pourquoi pas. Ça rend plutôt bien. Maintenant, ce que l'on peut faire, ce sont les terrasses au niveau du bâtiment lui-même. Les terrasses ici, à ce niveau-là, là-bas et ici. On va utiliser du coup la Blackstone, les dalles de Blackstone, de pierre noire. Les dalles lisses de pierre noire, plus exactement. Et on va venir ici, là, sur notre bordure de maison. Pouf, ok. On va faire une Blackstone qui va venir se prolonger sur toute la longueur. Et on va en mettre deux couches, d'ailleurs. Hop. Et on va venir mettre toute une surface, en fait, de dalles, comme ça, sur... Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 blocs de large, ça me paraît bien. Hop. Hop. Voilà. Et après, on remplit toute la surface avec des dalles de Blackstone. Alors, vous pourriez me dire, incrédule, mais alors, des fois, à quoi ça sert? À quoi ça va servir de faire ce genre de truc? Eh bien, regardez. Lorsqu'on prend un petit peu de recul... Eh bien, pouf, on peut voir du coup le ciel à l'arrière, du coup, se voir juste sous la dalle ici, et ça nous donne un petit effet comme si le toit lui-même se recourbait comme ça, et ça donne vachement bien, ça rend vachement bien. Du coup, on aime. Alors, pour le reste des terrasses, on va venir prendre les escaliers en quartz, non pas du tout les escaliers, les blocs de quartz tout simplement, et on va venir mettre 1, 2, 3 blocs. Ici une ligne de dalle en laissant voilà 3 blocs de marche par rapport à l'escalier, 2 blocs de marche par rapport au mur, et venir mettre comme ça voilà 3 blocs de marche par rapport à l'escalier ici comme ça, un L en bloc de quartz, puis après on va mettre des blocs de verre si je les retrouve. Voilà, on va prendre des blocs de verre, on va aussi prendre des blocs de béton bleu, on n'en a pas fini avec le béton bleu. Hop. Et on va venir creuser dans le toit, en fait, enfin dans le plancher. On va enlever une couche comme ça superficielle et on va venir mettre du béton bleu ici. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai mis deux couches au niveau des planchers de la maison, parce que du coup on peut mettre hop des blocs dessus comme ça sans que ça se voit par dessous, vous voyez. Et oui, la logique. On va rajouter des blocs de vitres ici comme ça, pouf, vous voyez, et on va rajouter de l'eau du coup dessus, n'est-ce pas, incroyable, magnifique, ouais, faudrait que j'arrête de dire ce genre de truc. Alors on va utiliser des dalles aussi, on va utiliser donc des escaliers et des dalles, on va mettre ce petit espace là, vous voyez, à profit, à bon escient, et on va mettre quelques bronzates dessus. Hop, 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 voilà. Oui, je sais, c'est du génie, je sais. Ici, pareil, on va rajouter des bronzates. Donc, voilà, j'arrivais plus à les sectionner. Hop, voilà. Et puis, une petite table à l'arrière, toujours en dalle de quartz, pour garder un peu la... Oui, pour garder la même couleur, en fait, que le reste. Voilà, ça passe plutôt bien. Ici, pareil, on va rajouter une deuxième piscine. Youp. Donc, on va laisser deux blocs de marge à côté du mur pour pouvoir passer facilement. Et on va mettre une longueur de quartz, du coup, ici, jusqu'à laisser... On va laisser combien? 5, 6 blocs. 3, 4, 5, 6, 7 blocs. Ouais, 7 blocs en tout du bord ici. Alors, voilà, on va se laisser un bloc de marge par rapport au bord à ce niveau-là. Hop, vous voyez, donc toute cette zone là, on va enlever les blocs de béton, hop, voilà, donc une fois qu'on a fait un trou comme ça, on va rajouter du béton bleu dedans, ok, hop, voilà, et pareil qu'en dessous, du coup on va rajouter des blocs de vitre sur le reste, hop, des bordures, hop, en rajoutant de l'eau évidemment à l'intérieur de la piscine. Alors attends, l'eau,
Hop, voilà. Alors, est-ce que c'est bon? Oui, ça a l'air d'être plutôt bon. Donc, il nous reste quelques petites finitions véritablement à faire. On va rajouter quelques bronzates, évidemment, sur le devant de notre piscine ici, tu vois. Donc, genre comme ça. Hop. Magnifique. Ici, on a pas mal de place, donc on va carrément se payer le luxe d'avoir une table. Voilà, comme ça. Donc, on va utiliser des escaliers à l'envers. Mettons, voilà, sur deux blocs. Sur trois blocs? Deux blocs? Deux blocs. Allez, adjusé vendu pour deux blocs. On va utiliser les ficelles, ok? Ici, comme ça. Donc, en les mettant au sol. Sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs de long. Ok? Et on va y poser par-dessus des tapis. Comme ceux qu'on avait mis tout à l'heure. Vous voyez, donc par-dessus les machins, puis ici comme ça. Vous voyez? Et puis voilà, on va juste récupérer les escaliers ici. On va rajouter des places. Ah, peut-être les mettre plutôt comme ça. Voilà, ça ferait un petit peu mieux. La même chose en face, du coup. Ok. Et puis voilà, il nous reste du coup... Là-bas, la terrasse à ce niveau-là. Comment je l'avais fait d'ailleurs, moi, la terrasse? Ah oui, d'accord, j'avais mis une piscine, ça je m'en rappelais plus. D'accord, donc bah voilà, pareil, hein, c'est une piscine exactement comme pour les deux autres. On a fait une coudée comme ça. Donc une coudée qui fait la largeur de la piscine en laissant juste un bord de chaque côté. Vous voyez ici comme ça, et un bord ici. Puis sur 5 blocs de large au total. Puis voilà, la même chose, les petits bronzates ici. Exactement pareil qu'avant. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, à part la petite terrasse qu'il y a derrière? J'ai rajouté un panneau solaire sur ici, pourquoi pas. J'avais pas mis dans ma première version, et voilà. Donc là, vous voyez, c'est la version avec panneau solaire, et là, c'est la version sans panneau solaire. Voilà. Ça, c'est vraiment... je ne sais pas quoi, quoi penser. Donc, n'hésitez pas à le faire... Enfin, voilà. À votre guise. Donc, les petites finitions que je voulais faire, ça va être au niveau de cette terrasse-là. Hop. Alors, donc, ici, sur le côté de notre terrasse, vous voyez, on a... Ah bah tiens, on peut aussi rajouter un petit chemin. On va rajouter des end rods, ok, donc des barres de l'end, ici sur le côté, voilà, de notre, quoique avec un bloc de décalage, voilà, sur le côté de notre terrasse, avec 3 blocs d'espace chacune, ok, voilà, comme ça. Ici, vous voyez donc, entre notre porte et notre chemin en gravier, on va pouvoir ajouter un petit chemin en diorite. Paf, 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 vous voyez, hein, avec des carrés, hein, comme on fait d'habitude, ça rend plutôt bien, hop, voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir ajouter par-dessus les barres de land, du coup, des blocs de feuilles, hein, tout simplement, hop, hop, et ça rend tout de suite quelque chose de beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus convivial. On va utiliser, du coup, en plus, maintenant, des walls, donc des murets de cobblestone. On va venir se mettre au-dessus à peu près de la table, hein, et on va venir mettre, voilà, attends, je suis au milieu de la table, pouf, comme ça. On va venir mettre un muret de cobblestone ici, on va mettre une barre de laine en dessous, et on va utiliser les dalles de quartz à mettre comme ça, une petite dalle de 3x3 au-dessus. Et ça nous donne un petit coin salon d'extérieur qui est, ma foi, fort sympathique. Voilà. Qui rocks du poney, comme dirait des gens qui disent ça. Voilà. Sur ce, vous pouvez évidemment mettre des arbres, des grands arbres. Hein. Je vous encourage à mettre des grands arbres autour de la maison. Ça vous donnera un petit côté sympathique aussi en plus. Et franchement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous voudriez voir, vous, en tutoriel sur la chaîne YouTube. Et sur ce, je vous souhaite à tous un très bon jeu, bon vent matelot, et à la prochaine !